Roméo, franchement. Juste une question. Est-ce que tu crois en Dieu? Non. Passe-lui bonjour. Déterminé comme DiCaprio, on sent la mort y escaplier. Certains mettent la coque dans sa plie. Mon tableau si t'as pas habillé. Ouais, vas-y. Dès qu'on est sur place, je t'envoie un GPS, ok? Descends. Je te prends ton téléphone, ton arme. J'ai pas d'arme, j'ai rien du tout. T'es sérieux, tu fais des trucs comme ça maintenant? Mets-toi. On en est là? Vas-y. Tu pourrais, tu voulais mettre une balle dans la tête? D'où je voulais te mettre une balle dans la tête? Balancer, hein. J'ai pas d'arme, j'ai pas de PPA, j'ai balancer. Rien. Écoute, Romo il m'a tout balancé, il m'a dit que Mia et Lazare voulaient me mettre une balle dans la tête. T'es sérieux? Toi, t'expliques. J'ai fait un accident hier, la voiture elle a explosé, on était tous les deux dans le coma, on a dû partir à l'hôpital. On a même plus d'armes. On en est là maintenant, tu m'as pas fait assez chier comme ça. Je suis en train de viser ta tête et j'ai peur que mon index lisse, tu vois. Comme on m'en a pris, le C est vital. La cible, l'élévation de l'arme. C'est tout ce que t'as à dire? J'ai rien. Tu peux pas la mettre à l'envers, t'es sûr? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai rien pour me défendre. J'ai rien. Là, y a pas besoin d'armes hein, pour buter quelqu'un. Il suffit que par exemple Mia s'arrachète une arme et puis demain on en parle plus quoi. Dick est mort. Ouais. Pourquoi tu ne fais pas confiance? Parce qu'il m'arrive que des problèmes avec toi, Dick. Je rêve que ça. Je rêve que de ça depuis que je suis arrivé en ville. Toi, t'es vraiment loin de la vérité en vérité. C'est-à-dire? Moi, je suis un addict de la police. Moi, je te dois la vérité avant que tu meurs, tu vois. Moi, je suis l'indic officiel de la police, ok? Et Roméo, c'était aussi un indic, tu vois. Mais il a merdé. Ah bon? Surtout, il l'a mis à pied. Ouais. Ouais. Lazare, tu sors de ton téléphone et tu envoies un dernier message à Mia. Dis-lui que tu l'aimes. Débute-toi. Moi, je dis, il n'y a qu'une balle qui dit la vérité, tu vois. Je pensais pas que ça se passerait comme ça. Et que l'arme s'enraye, c'est que j'avais tort. J'avais pas envie que ça se passe comme ça. T'as encore le choix, réfléchis. La balle part. La balle avait raison. Pourquoi t'es comme ça avec moi? À 3, 1, 2, 3. Déterminé comme DiCaprio, on sent la mort y escaplier. Certains mettent la coque dans sa plie. Mon tableau si t'as pas habillé. DiCaprio. Hey, ça va ou quoi, Karim? What the fuck? Karim. J'étais avec John. Mm-hmm. Mec, ils m'ont... Attends, quel plan? Là, Roya, je suis dans la merde. Le plan initial par rapport à Mia. Ok. En fait, faut que je t'avoue un truc, Karim. Tu vois, Roméo? Quoi? Bah, s'il répond pas, bah, c'est normal en fait. Non. Qui l'a buté? C'est qui le fils de pute qui l'a buté? C'est qui le fils de pute qui l'a buté? Bah, il est devant toi, le fils de pute. C'est qui le fils de pute qui l'a buté? C'est moi, wesh, c'est moi! Quoi? Ouais, j'étais sérieux, toi? Mais pourquoi t'as fait ça? C'est moi, frère! Mais pourquoi t'as fait ça? Bah, écoute. Toi, tu veux buter tout le monde. En fait, Karim, écoute. Tu sais que John... Le suite du plan, en fait, c'était qu'on bute Mia. Mais devine après qui on devait buter. Roméo? Non, Roméo, il est au courant que je l'ai buté, tu vois. Mmh. Après avoir buté Mia, on devait buter qui? Surdou? Non, John, son plan initial, c'était de buter Mia. Mais après, c'était de buter qui? Bah, c'était toi, frère. Quoi toi? Si je te dis que... John, c'était un policier. Non, attends, là je comprends. Ouais. Attends, viens. Juste là. Là, tu vas me dire que là, Roméo, il est là-bas, au calme. Ouais. Et que voilà. John Surdou, il est là-bas au calme. Voilà, et il y a aussi Lazare. Lazare, il est là-bas au calme. Et qui les a tous butés?
c'est moi, mon pote. Contre le mur, Karim, dépêche-toi. Et... Tu crois que c'est qui, frère? Tu crois que c'est qui les a butés? Encore hier, tu m'as balancé pour une vulgaire histoire de camion de dépannage. T'es sérieux, toi? Bâtard! Tu peux avoir confiance en toi ou quoi, Karim? Bien sûr, le plan de John, c'était de buter, frère, après avoir buté Mia. Pourquoi t'es naïf comme ça? Mais vous voulez me buter? T'es naïf. Mais bien sûr qu'il voulait te buter, frère. Mais là... Je l'ai buté avant. Attends, attends. Donc là, John voulait me buter. Mais là, tu vas me buter. Ouais. Normalement, on est ensemble. Est ensemble. Bah, on était ensemble, Habibi. On était ensemble. Donc là... Putain. Tu veux mettre main fin numéro... à attends. Ma vie. Je vais te buter. Je vais faire une prise d'otage. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats... Le capitaine, je vais te soulever au calme, fils de pute. Mais non, mais non. Et dis-lui, j'ai buté John. Adieu. Attends. Prends pas 10-15 minutes. Attends, j'ai buté John. Oui. Adieu. Adieu. Ouais, adieu. Tu veux que je te l'appelle? Non, mais donc, tu vas me buter. Donc là, tu vas me buter. Tu vas me buter. On va voir. Bâtard. Oh là là. Ouais. 10 piges, j'ai envoyé un SMS, c'est un truc de ouf. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Je prends ton téléphone. Oh là là, tu l'as envoyé? Wallah, je l'ai envoyé. Tu veux que je te dise, j'ai écrit quoi? Karim. Ouais, vas-y, dis-moi. J'ai buté John. Voilà. Ok. C'est tout. Pas d'adieu ni rien. Pas d'adieu ni rien. Envoie-lui adieu. On est frères, on a grandi ensemble. Je prends ton téléphone. Ouais. Mes frères, c'est ici que nos routes se séparent, croyant. Moi, tu m'as trahi plusieurs fois, tu vois. Moi, la confiance, c'est pas un code PIN. Hein. Okay. T'as pas trois essais. Hein. Bâtard. Ok les gars, on est en position. Il a voulu. Je regarde avec Max. Non. écoute, j'ai parlé avec le capitaine, ok. Le capitaine il m'a mis la pression de ouf, d'accord. Et par rapport à quoi? Par rapport à toi. Apparemment, en fait, tu serais lié à une affaire de meurtre. Ils ont retrouvé le corps de Lazare Moreno. Et ils ont trouvé en fait les trucs. Apparemment, en fait. Ils ont retrouvé comment? Je sais pas. Le capitaine était en civil parce qu'en fait, on devait parler. Il voulait me parler, etc. Pourquoi il était en civil s'il veut parler? Enfin, pourquoi il a pas gardé son uniforme? Ouais, je sais pas. Moi, actuellement, le capitaine m'a dit en fait de te tenir loin de tout. Tu n'es plus un dick officiel de la ville. Ok? Je crois que tu le saches. Okay. En fait, il t'a retiré du programme des indics, donc t'es plus sous couverture de la police. D'accord. À me parler, mais je voulais quand même en fait te dire, comme tu vois, comme toi-même tu sais, on est ensemble, tu vois. On est ensemble, attends. On est ensemble, frérot, on est ensemble de ouf. On est ensemble, ok? Ok. Je prends ton arme, ton téléphone, ta radio. Ah bah qu'est-ce ce projet, frère, je crois qu'il tombe à l'eau. Qu'est-ce que tu fais? Frère, comment ça je suis plus indique? Comment ça tu m'as utilisé, tu me jettes comme une merde? Mais non. Comment ça, wesh, t'as pas assez d'autorité avec le capitaine ou comment ça se passe? Mais on est ensemble. Frère, mais tu qu'est-ce que tu fais? On est ensemble, fais pas le con. On était ensemble. Oh non. Pourquoi? Fais pas le con, Dick, vraiment fais pas le con. T'es pompé. Dick. Tu te rappelles quand je t'ai pompé? Je me rappelle. Tu te rappelles quand tu m'as humilié? Je me rappelle, Dick. Tu t'en rappelles? Je me rappelle, Dick. Ouais, tu pars avec un rencard avec une meuf, elle m'a tonton zone. Est-ce que tu connais ça? C'est pire que la friend zone. La suite des événements, dis-moi, tu vois. Dis-moi. Je vais te buter, je vais buter Karim, et après je vais faire une prise d'âge, je vais me suicider, je m'en bats les couilles. Écoute-moi, j'ai rien à perdre. Écoute-moi. Attends, laisse-moi t'expliquer l'autre tournure, ok? On s'occupe de Karim, si tu veux, d'accord? Comme ça, si jamais tu te fais choper, genre, t'as quand même un bras qui est présent dans la police pour t'aider à t'en sortir. Dick, putain, fais pas le con, baisse-moi cette putain d'arme. Je suis comme de ton côté, sérieusement. Vraiment. John. Ça y est, c'est la fin du monde. De toute façon, je m'en bats les couilles. Dick, toi, tu vas mourir, le capitaine va mourir, Dick, tout le monde va mourir, je m'en bats les couilles. Dick, s'il te plaît.
Vraiment. Non mais Dick, ne fais pas de conneries. Dick, écoute-moi, tu vas regretter. Écoute. J'ai un plan. Laisse-moi mettre en place de plan, s'il te plaît. C'est quoi ton plan? Vas-y, dis-moi, donne-moi ton plan. Mon plan, c'est de te blanchir, d'accord? Le Mia. Mais frère, écoute-moi. T'as même pas été capable de me garder en tant qu'indique. Mais putain, mais t'es con. Dick, écoute-moi. Là, t'es juste suspecté, ok? T'es pas accusé, t'es suspecté. Le truc, c'est que si Mia disparaît, ils ont plus aucune preuve. Moi, j'ai des SMS liant Mia au meurtre de Roméo, ok? Donc, dans tout cas, même elle va tomber, elle est morte, elle est foutue. C'est fini, tu vois. Écoute, donc, t'as le numéro du capitaine? Oui, du capitaine? Oui. Ok. Je te passe ton téléphone. D'accord. Et tu vas écrire un SMS. Tu envoies au capitaine, bouge pas. Tu envoies au capitaine. Karim est en train de me braquer. Il va me tuer. Non, Dick, je connais ton mode opératoire. Si je le fais, tu me donnes ta parole que tu ne me tueras pas? Oui. Non, je veux ta parole. Mais faut... T'as ma parole. Mais faut, d'accord. Faut qu'on s'occupe de Karim. On s'occupe de Karim, d'accord, aucun problème. Mais juste, okay. Baisse-moi cette putain d'arme, bordel de merde. Je suis pas armé. Non, mon arme. Non, tiens. Ton capitaine, Karim est en train de me braquer, il va me tuer. Point barre. Montre-le-moi avant d'envoyer. Non, je pense qu'il va avoir ri. Trop long, c'est un peu trop long. C'est un peu... John, tu préviens quiconque, t'es mort. Hein. Mais pas du tout, t'es con quoi. John. Il faut qu'on connaisse la suite de l'histoire pour savoir arracher la page. Ciao.